constaté depuis maintenant de plusieurs mois. Oui, le jeu vidéo au cinéma, eh ben c'est de plus en plus présent. Mais la quantité, c'est une chose, la qualité, c'est encore un peu mieux quand même. Et en l'occurrence, eh bien, ces films sont de plus en plus appréciés, car peut-être aussi plus appréciables que par le passé, et ils réalisent du coup de très belles performances. En l'occurrence, il y a quelques semaines de cela, Uncharted, le film, avait réalisé de jolis chiffres. Eh bien là, on découvre que c'est au tour de Sonic 2, le film, qui est actuellement donc au cinéma et qui réalise un démarrage historique. Alors, il s'est lancé aux États-Unis ce week-end, avec un petit peu de retard sur le reste du monde. Eh bien, lors de son week-end de lancement, le film a généré 71 millions de dollars au box-office américain, soit tout simplement le meilleur démarrage de l'histoire d'une adaptation d'un jeu vidéo au cinéma. Et donc, si on additionne avec les résultats déjà enregistrés pour le reste du monde, ça fait que ce Sonic 2, eh bien, est déjà à plus de 140 millions de dollars générés, et qu'il est donc vraiment très bien parti. Alors reste une question qui me paraît évidente, c'est à quel moment Paramount va surfer sur ce succès et nous annoncer qu'ils vont lancer la production d'un troisième film Sonic. Bah vous me direz en tout cas ce que vous en avez pensé pour celles et ceux qui l'ont vu. J'ai pas encore eu le temps d'aller le voir, mais on m'en a dit plutôt du bien et j'avais en réalité assez apprécié le premier opus, donc bah je me laisserai peut-être tenter.